et l'engagement qui va être donné par Marc Wiegand entre le top scorer Yere Salinen et Ken Yeager. Engagement gagné par avec le top scorer de l'autre côté qui attend une passe. Le voici servi Kovac. La passe, elle était bien faite, c'est catch. Et c'est Terry qui s'est avancé un maximum pour qu'il n'y a que 6 défenseurs en habit. Là, c'est bien fait pour Marty. Oh, dommage, le lancer un poil trop enlevé d'Aurélien Marty. Le Lausannois était pas loin de trouver la faille sur ce bon décalage pour solliciter l'apport offensif du défenseur. Ouais, ça touche même le poteau, la barre transversale. On trouvait la confiance, hein, c'est clairement ça chez ce garçon. Capable de casse-but facile, le puck. Oh, entre les jambes, je crois. Qui a mûri, on le voit pas tirer absolument dans n'importe quelle situation. Ah, ça. 30 dernières secondes, le lancer, la déviation, signé Fabio Hofer, elle est victorieuse, elle permet au puck de passer sous l'équipement du Varspunenov et le HC Vienne dans les derniers efforts de cette première période trouve la parade après 19-34. But attribué à Guy Thoras ou déviation y a-t-il eu? Ouais, c'est bien Fabio Hofer, hein, je vois sur cette déviation, peut-être que le puck est même retouché encore après, mais l'Autrichien à licence suisse qui était passeur. Radgeb, Olofsson, c'est qu'il y a plusieurs très bons shooters avec le puck qui traîne devant et loin. Il y a une situation de 3 contre 2 avec Kovac. C'est catch, Kovac et l'égalisation, c'est superbe. Les deux étrangers, les deux mercenaires du Lausanne Club s'associent pour un but qui n'a pas vraiment, on va dire, l'aptitude d'un jeu de power play, mais quelle belle séquence de la part de Kovac et de Sekac pour marquer ce but. Le Suédois est à la finition sur une passe du joueur tchèque. Et tout ça alors que Lausanne patinait encore quelques secondes auparavant avec un puck laissé à l'adversaire en zone offensive et derrière tout va très vite, vous le voyez, et le sourire, voilà, on parle à superbe parce que bien depuis de longues années, alors qu'il y a la possibilité de dehors, on laisse des énormes trous, des énormes espaces au HC Vienne qui doit s'y reprendre en deux temps, mais qui reprend les commandes de cette rencontre. Et Jesper Olofsson se fait un plaisir de mettre le puck au fond alors que Lausanne s'était clairement un petit peu endormi. Bon, ça c'est bien fait de Olofsson, mais derrière il se complique la vie. Du coup, eh bien, il y a clairement une déconnexion dans l'attitude des défenseurs lausannois. Marty n'y peut pas grand chose, c'est lui qui remet le puck sur Fabio Hofer qui tire, mais derrière forcément il se couche, et que ça soit lui, Holdener ou les attaquants lausannois qui étaient autour. Jason Fuchs temporisé, c'est bien fait avec Frick, patte de tir sur le revers, c'était Raglas et Seteri était pas loin de son arrivée. C'est son quatrième match avec un puck perdu, attention ça peut coûter, et ça va coûter le 3-1. C'est l'astucieux et renard Fabio Hofer qui marque le but du confort alors que Lausanne était en train de pousser là depuis un peu plus d'une minute trente. Et derrière, encore un puck perdu et Hofer depuis derrière le filet qui revient et qui s'y prend à deux fois pour permettre à son équipe, le HC Vienne, de mener 3. Regardez, puck levé, on est deux, on est en avance, il n'y a pas à discuter. Et là, eh bien, on s'emmène les pinceaux. Et offert une fois, Kulenov ne peut pas tout faire. Et ça fait mal. Ça fait 3-1. Et le contre peut-être un coffert. On le contrôle un peu chanceux. De l'autre côté, la passe, ça revient. Waouh! Quel but pour le 4-1! Cette ligne a fait le spectacle. Offert pour de l'autre côté. Gaïtoas pour Olofsson et le Suédois s'offre aussi le doublé. Et Lausanne, si on analyse froidement, pris vraiment à son propre jeu. La longue relance de Beat Forster est aussi à mettre au crédit, mais le reste de l'action est superbe. Et la classe de Gaïtoas qui avait vu Jesper Olofsson arriver. La défense est encore une fois pris au dépourvu et se fait avoir. Vienne 4, Lausanne 1. Si l'on veut vraiment être très positif,
C'est la dernière chance pour Lausanne de revenir un petit peu au score. La déviation, elle était bien faite. Et Künzle qui va partir en contre. Le rebond de l'arbitre, le rebond du défenseur pour lui. Marqué comme ça facilement. Et succès 4-1 du HC Vienne face à Lausanne Hockey Club. Bon dans les 20 premières minutes, mais ensuite qui a quand même...